ont du courage, ils se défendent très bien. Si j'avais leur âge, j'en aurais fait autant. Donc ouais, aujourd'hui ça a grossi là. On est avant du Nord qui s'est levé, donc je sais pas si ça va être terrible. On va aller tester quand même. Ouais, c'était marrant, il y avait quelques vagues, même si pas mal de mousse qui venait du large. Mais quelques bouts à prendre, quoi. Un peu de jus aussi. C'était sympa dans l'ensemble. Il fait un peu froid quand même, en short. C'était assez violent, ouais. Des bonnes premières houles d'automne, on commence à voir que la puissance change et on a plus de puissance dans la houle, donc ça se coupe pas mal, ouais. Bon, sympa, agréable, bonnes images pour le site. Et puis grosse vague et petit dégât, voilà, tout simplement. Ça fait mal au cœur. Ah, c'est pas grave, c'est les lois de, c'est les lois des vagues, hein, c'est comme ça, hein, c'est la vie, c'est pas grave. On en rachètera une autre, puis ça repartit pour demain. Au taquet. Simplet, c'est nous deux plus Piqûre, Biarritz, David Maï. Donc c'est une team, comme ça l'indique, une team et Simplet. Et on a choisi tout le bon spot, nickel. Là où ça marchait. Pour bien, représenter la team Simplet, on a pris le spot le plus pourri qu'on trouvait. Donc Piqûre sera fier de nous aussi.
les vagues elles arrivent de plein fouet, elles arrivent vite, elles lèvent très vite, ce qui fait qu'elles sont assez creuses et du coup pour le body c'est carrément bien quoi. Bah, c'était pas mal, c'est la première fois que je surfais ici. Et c'est pas mal. C'est très technique. Ouais. C'est bien, on apprend. Oh c'était bon cet après-midi, on s'est bien gavé. C'était pas très gros, c'était moins gros que ce matin, mais c'était bien calé, c'était sympa. Parfait. On se croirait dans un pays où il y a des vagues parfaites et où il fait beau. Il manque plus que les filles quoi. Bah c'est un riff quoi, donc le take-off, un peu, y a un peu de pente au take-off et pour les débutants c'est clair que c'est pas une vague recommandable on va dire quoi. Et après même un bodyboarder moyen arrivera à se débrouiller sur la vague quoi. Ah, c'est petit hein. Ça caille.